Bonjour, je m'appelle Chef Corey. Pour mon plat français, j'ai choisi une crêpe à la farine de pois chiches. Ma crêpe a un nom unique, Soca. L'origine de Soca, ou farinata en italien, est inconnue, mais une source dit que les soldats de l'Empire romain qui rôtissaient de la farine de pois chiches sur leur bouclier. C'est pourquoi j'ai choisi ce plat et pour la farine de pois chiches qui est riche en fibres. Il est bon pour les végétaliens et les gens qui ne peuvent pas manger de gluten. C'est un pilier de marche du sud de la France. La recette est très simple et ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. On a besoin de l'huile d'olive, de l'eau, du romaine, du sel caché, du cumin en poudre et du poivre. Soca a été inventé par accident après la bataille de Meloria dans les guerres des Génois pisans à la fin du IIIe siècle. Sur le voyage du retour, les navires de Génois ont été frappés par une tempête. Les provisions d'huile et de la farine de pois chiches ont par conséquent été renversées et imbibées d'eau salée. L'approvisionnement des marines était limité et ils devaient manger des bouts de pâte de pois chiches. Certains marins ont refusé de manger cette pâté et ils ont laissé le bol sur le pont au soleil. Les marins trouvent le mélange cuit au soleil plus savoureux. Quand ils sont rentrés, ils ont perfectionné la pâté et ont cuit au four. Ils ont appelé cette crêpe cuite au four l'oreau de pizza, ou, en français, l'eau de bise, pour se moquer des bisons vaincus. Pour le recipe, nous utilisons 250 ml de farine de pois chiches, 250 ml de l'eau, 125 ml d'huile d'olive, 1,5 cuillère à soupe de romain haché, 3/4 cuillère à café du sel caché, 1/4 cuillère à café de cumin en poudre, et poivre noir pour le goût.